quelque chose pour les bébés, donc c'est de l'éveil sensoriel sous forme de tableau. Je vous invite à regarder la suite pour savoir de quoi ça parle. C'est parti! Alors on commence par le matériel. Nous on a décidé de créer deux plaquettes sensorielles éveil bébé. Donc on va utiliser deux cadres en bois pas trop profonds. Si ça vous intéresse, je vous mets les références en barre d'infos. Donc on va créer un univers d'amis en noir et blanc avec des tissus différents et un univers marin avec des coquillages et des graviers pour avoir bien simplement une sensation différente. Vous allez avoir besoin d'une règle, d'une paire de ciseaux et d'un crayon papier et de vos mains. Vous allez venir placer votre tissu bleu dans votre cadre et tracer le contour à l'intérieur, découper au ciseau et venir par la suite le coller avec de la colle à tissu ou de la colle à bois. Vous pouvez même faire ça au pistolet à colle et on vient après placer bien tous ces petits coquillages et ces petits graviers sur une moitié de façon à bien avoir un effet bord de plage, mer et des matières différentes. Ensuite, on passe à celui d'amier. Donc, j'ai utilisé un tissu effet moutou tout doux et un tissu qui gratouille en doré, donc en noir et blanc. Le côté d'amier est vraiment très intéressant au niveau éveil pour les tout petits, vraiment. Et on va venir du coup faire la même chose. On vient tracer des lignes d'une largeur de règle en fait, dans un sens et dans l'autre, pour faire vraiment l'effet damier carreau. Et on vient tout simplement découper tous nos petits carrés. Ensuite, on va venir les disposer et bien sur le petit tableau et pareil, les coller ou au pistolet à colle ou à la super glue et ça tiendra super bien et votre enfant va adorer. D'éveil sensoriel pour bébé, vous pouvez en faire autant que vous voulez, ça se range facilement, ça peut être autant à utiliser pour les tout petits au niveau éveil des mains, autant pour les plus grands d'éveil des pieds, ça se fait pas mal en maternelle. Donc voilà, c'est très simple, ça peut rien vous coûter si vous utilisez des matériaux de récupération. Exactement, des bouchons de bouteilles par exemple. Exactement, il y a plein de choses qui sont faisables. Si jamais vous reproduisez nos DIY, n'hésitez pas à nous identifier sur les réseaux sociaux avec le hashtag FamilyDIY. Si cette vidéo vous a plu, pensez à le liker et on se retrouve maintenant sur ma chaîne. Donc, let's go!